entends-tu Jésus t'appelle? Viens, ô pécheur, il t'attend. Assez te voici fidèle. Tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi. Oh,
le temps. Voici le temps, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Voici le moment, Esprit de Dieu. C'est formidable. Nous sommes en train de vivre une semaine merveilleuse. Et nous regrettons que ceux qui étaient absents ont été vraiment absents. Ils ont perdu beaucoup de choses.
Ils ont perdu beaucoup de choses. Toutefois, le fond de la marmite, pour nous qui avions été au village et qui savions ce qu'on appelle Wakoli là, c'est une grande bénédiction pour l'Église de recevoir l'homme de Dieu. Moïse qui nous a entretenus au cours de cette semaine. Nous avons été bénis. Le ministère, ce n'est pas du bricolage, ce n'est pas... j'ai envie de parler un mauvais français. Ce n'est pas du gonflage. Mais encore une fois, ça fait votre problème. Vous les accueillez là, pardonnez-moi si je parle. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, un petit mot suffit pour que la parole tourne et bouleverse la vie de l'homme. Alors, je ne parle pas de la refondation politique qui est pour le voto et le live. Ce n'est pas sur le terrain politique qu'on peut parler de refondation. La vraie refondation spirituelle. Et notre foi doit être bâtie sur le roc. Formidable, solide. C'est ce que nous voulons faire, c'est très bien. Une église n'est pas grande par le nombre. Le nombre de ses membres, pas la qualité de ses membres. Souffle à ton frère. Sois un homme de qualité. Homme de qualité. Mais toi, t'es bêtou. Il y a dans mon village un vieux qui dit. Et là, les coton, mais on ne peut pas parler de l'eau. Quand lui ne comprend pas français. Mais il a peur d'un mot. Avant, on peut le coton, mais quand il y a un mot. Le mot comment. On peut le dire. Comment. Je vous ai dit la dernière fois que, avec les assemblées de Dieu, pour qu'on dise que quelqu'un sera missionnaire quelque part là, on a fouillé jusqu'à son slip hein, et on sait que tout est propre. Hein. Et c'est vrai que les autres ministères nous reprochent de notre sévérité. Mais nous sommes sévères parce que nous ne voulons pas être n'importe qui. Nous ne voulons pas être n'importe qui. Parce que l'église aujourd'hui, il y a des gens, de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Des ministres de l'évangile qui sont gourmands d'argent. Des gens qui n'aiment que l'honneur et la gloire. Alors que celui que nous prêchons n'a pas fini la marche. Il n'a pas de marche. Mais quand la main est au nom et au Jésus. Et c'est ce nom là que nous utilisons pour prêcher. Nous devons rester dans la vie moderne de
de cet homme. Et nous connaissons le de ma foi, mais nous avons. Il ne faut pas te permettre de venir prêcher pendant que vous avez les mains ensanglantées dans le péché. C'est pourquoi je suis très heureux pour le choix que l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire fait sur la personne de notre de son serviteur pour pouvoir l'amener au Sénégal depuis près de 9 ans déjà. Écoute le message de ce matin. Non seulement ça va changer ta vie là. Parce que je ne veux pas entrer dans la considération de l'enseignement. Je lui donne l'occasion de nous faire le résumé de tout ce qui a été dit avant d'entrer dans le vif du sujet. Celui qui vit le Saint-Esprit en lui, dans deux dimensions, on doit pouvoir sentir la vie de l'Esprit en lui. En lui-même et dans le service. C'est pourquoi faisons tout pour écouter le message de ce jour. Tu es débiteur du Saint-Esprit. Merci d'avoir bien traduit ce que je veux dire. Merci. Je veux inviter l'homme de Dieu. Je ne veux pas prêcher à sa place. Je veux vraiment qu'il vienne le. Merci, merci beaucoup. Merci de répondre à l'invitation de l'église de Morija. Merci infiniment. Merci, homme de Dieu. Soyez béni, soyez béni, soyez béni. Merci beaucoup, soyez béni. Ok. Donc, je lui ai déjà dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Oui. Il a des choses à nous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on est là. Gloire à Dieu, on va ovationner le Seigneur. On va acclamer, on va se lever. On acclame le roi de gloire. Le Seigneur est le Seigneur. Il est mort, il est ressuscité. Il est allé au ciel, il est mort, il revient. Jésus a le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Sur la terre, sous la mer, il est l'unique Dieu. Alléluia. Soyez béni. Je voudrais remercier le pasteur. Il est bon d'écouter le Seigneur. Ma venue ici au Bénin a été une grande lutte. Mon programme était très chargé. Et quand le diable qui m'a informé, m'a demandé de venir entretenir la jeunesse, j'avais une première invitation sur le Mali. Où j'ai refusé et j'ai reporté ce rendez-vous dans le mois d'août. Alors quand le diacre m'a sollicité, je me suis dit que accepter l'invitation du diacre, ce serait injuste. J'ai déjà reporté une première invitation. Mais quand je me suis mis devant la face du Seigneur, le Seigneur m'a convaincu de venir. Serré mon programme. Une semaine pour l'église. Merci au pasteur. Pour son accueil chaleureux. Pour son ouverture. Une semaine que je suis là. Contact avec le pasteur. Quand tu un contact facile, un contact de bénédiction. Je n'ai pas été le seul qui. Et je ne suis pas venu donner, mais j'ai reçu aussi. Et la part de l'homme de Dieu. De son épouse. De ses collaborateurs. De chacun d'entre vous. Votre sourire a été une richesse pour moi. La chaleur béninoise
vraiment des éléments positifs pour moi. C'est grâce à tous ces environnements que nous sommes disposés que le Saint-Esprit agit. Nous avions commencé la semaine avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a parlé à chacun d'entre nous. Nous avions traité le thème la plénitude du Saint-Esprit. Gage d'une vie et d'un service efficaces. Nous avions défini le thème. Ce que c'est qu'un service. Ce que c'est qu'une vie. Et nous avions dit qu'il est important de savoir qu'on ne peut pas dissocier la vie du service. C'est ça dans le thème. On a dit la plénitude du Saint-Esprit. Gage d'une vie et un service et une projection de coordination. Le service à la vie. Éclater le service de la vie. Nous avons essayé par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit. La plénitude, c'est à deux dimensions. Il y a la plénitude ontologique. À l'intérieur au caractère du chrétien. Et la plénitude fonctionnelle. Relative au service. Un service de qualité. Le Saint-Esprit commence d'abord à construire la vie du chrétien. Le Saint-Esprit rentre en contact. On appelle la régénération. Dans l'évangile de Jean, quand le Seigneur a parlé à ses disciples, ils étaient rassemblés. Il a dit la paix soit avec vous. Il recevait l'Esprit. Et il a soufflé sur eux. Le contact de Dieu avec lui-même. À partir de cet instant, il y a régénération. Et à partir de cet instant, il est chrétien. Parce que le souffle de Dieu, la vie de Dieu rentre en lui. Gloire à Dieu. Et cette vie doit être entretenue, maintenue et vécue. Le Saint-Esprit rentre en nous. Si le Saint-Esprit rentre en nous, il nous convainc de péché. Justice. Et de jugement. Le chrétien ne peut pas vivre avec le péché. Le chrétien ne peut pas étouffer le péché. Et bien le Saint-Esprit renouvelle notre esprit. Et cela prépare le chrétien à une vie permanente avec l'esprit. Ensuite, un service de qualité. Un chrétien ne peut pas s'asseoir dans l'église et puis être oisif. Ce n'est pas possible. Alors on doute vraiment de sa position ontologique. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église. C'est l'église, maison, au marché ou au travail. Ils n'ont pas de contact avec les autres. Un chrétien sauvé, il est sauvé pour servir. Gloire à Dieu. Pour ce matin, puisque nous avions pris l'engagement à la veillée, nous avions passé un moment de restauration. Nous avons pris des engagements devant le Seigneur. Dieu voudrait attirer notre attention ce matin sur un fait. Un danger, un venin mortel. Dieu voudrait attirer notre attention
sur un venin qui guette l'église. Malheureusement, certaines églises sont déjà touchées par ce venin. Mais l'église de Morija, étant donné 2014, est l'année où il faut bâtir sur le roc, l'ennemi ne va pas rester inactif. L'ennemi ne va pas laisser chacun d'entre vous. Le 31 décembre, les engagements que vous avez pris, Dieu, cette année, voici ce que je ferai. L'ennemi aussi a entendu. Voyez votre détermination. Il fera tout pour vous décourager. Mais grâce à Dieu, il essaie de manifester son amour pour vous. Ce matin, il va encore attirer notre attention sur cette terre. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à prendre vos Bibles. Et à l'ouvrir avec moi. Et à l'ouvrir avec moi. Dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 30. Luc, chapitre 10, à partir du verset 30. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissaient à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et prenait ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois me semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde avec lui, répondit le docteur. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, et toi, fais de même. L'histoire que nous venons de lire est tirée de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle a subi beaucoup d'attaques, mais reste la parole de Dieu. Alléluia. Voici l'histoire que Jésus utilise pour enseigner son peuple. Il s'agit ici d'un homme. La Bible ne dit pas son nom. La Bible ne dit pas de quelle tribu il est. Mais la Bible dit que cet homme était à Jérusalem et il devait se rendre à Jéricho. La route qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, puisque c'est une voie commerciale, cette voie était infectée de brigands. Et donc c'était une route dangereuse. C'est tellement que cet homme,
savait cela. C'est tellement qu'il avait des contraintes. Et qu'il devait se rendre coûte que coûte à Jérusalem. Peut-être pour des raisons de famille. Mais il a quitté Jérusalem. Et que Jérusalem se rendre à Jéricho. Et tout au long du chemin, la renommée que les gens attachaient à cette voix, cet homme est tombé entre les mains des brigands. J'avais voulu ce matin montrer les images que j'ai faites. Et la Bible, il a été roué de coups. Attends, on l'a laissé à demi-mort. Il était dans un état critique. Était comateux. Et certainement il était couché. La seule ressource qui lui restait, c'était sa voix qui pouvait à peine faire sortir. Pour demander du secours. Quelqu'un m'attend. Y a-t-il quelqu'un? Venez au secours. C'est ce qu'il lui restait à faire. Et il est resté couché. Il a crié. Mais Dieu soit béni. Dieu entend le cri de celui qui est dans l'oppression. Même s'il est païen, le cri de détresse de chaque être humain ne peut pas venir à Dieu. Alors voici, la Bible nous dit que un sacrificateur, vous allez pour les moutons, qui par hasard, bon, il va le prendre un coup, descendait aussi par cette route. Et le soir, bon, il est arrivé, et j'ai fini. Il a vu le brigand, et mon, dans un état comateux, et mon, oui, à tout le monde, alors quand il est arrivé, vous le voir, il a regardé le brigand, et bon, certainement il s'est dit, mais qui c'est? Et le métalin. Il a pris même la peine de bien regarder parce qu'il pensait à sa propre sécurité. Le coin infecté de brigands. Qui c'est? Le gars, c'est tout. Peut-être un appât. Est-ce que le monsieur qui est couché n'est même pas un brigand lui-même? Les gens sont dans les broussailles. Alors il a regardé le monsieur. Bon, et finalement, certainement, il s'est dit bon, oh, d'ailleurs, je ne le connais pas. Il est passé. Où est-ce que sacrificateur, c'est un homme, un ministre de culte, un pasteur, un révérend, un bishop, le prophète des nations, qui ouvre la bouche, le feu sort, il est sorti sur un mourant. Mais c'était un homme idéal. Il a dit, il est passé outre. Après lui, un lévite aussi venait. Et de soi, ce fut la même scène. Il a regardé le brigand. Il est passé outre. Un lévite, c'est un membre de la tribu de Lévi. Mais il est mieux. Mais il est voué au service du temps. Bon, et il y a constamment dans le temps. Et nous on peut quoi? On peut descendre notre prédit. C'est un diacre. Et un serviteur. Celui qui est constamment aux côtés du pasteur. Mais le bon est dans la maison de Dieu. Mais le bon, qui connaît la loi de Dieu. Tout aussi c'est en tant que le sacrificateur. Et les, mais il faut ça est passé août. Et le soir. Et qui a décidément. Ce jour était un mauvais jour pour ce brigand. Deux personnes, mais oui, sont passées. Bon, frère vous dit. Et une troisième personne. Bon, mais attends, le quoi? Cette fois-ci, Fidion. Celui qui venait, mais c'était un Samaritain. Samarien, oui. Vous savez, dans chaque peuple. Ici, je ne sais pas. Mais il y a des ethnies qu'on les traite comme des sous-ethnies. Bien alors. Bon, je ne sais pas si vous avez ici. Et c'est l'esprit, l'ethnie. Bon, je prends un exemple par là. Mais c'est le fond, c'est ça le fond. Voilà que je connais. Donc pour moi, c'est la seule ethnie. Le fond. Les gens du fond là, ils sont rien. Et les fonds, ils sont rien. C'est là,
Et puis quand on parle de quelque chose, qu'est-ce qu'un faut connaître? Qu'est-ce qui peut venir de point d'infos? C'était pareil pour les Samaritains. C'était une secte religieuse. Ascétique. Une secte religieuse et ascétique. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Par contre, ils étaient bien tenus dans les têtes. Vraiment, et c'est les valets, la haine des Juifs. Les Juifs ne les aiment pas. Quand un Samaritain, qu'est-ce qui peut venir de bon? Les Samaritains. Alors, c'est se rejeter de la société. Du passé. Vu qu'on dit, il n'est pas dans la vérité. Vu qu'on dit, c'est un mécréant. C'est un païen. C'est le païen qui arrive. Il voit comment l'homme moulant qui descend de sa monture, qui va vers le blessé, qui enlève du parfum, qui enlève de l'huile, pense ses plaies, pense ses plaies, nettoie ses plaies. Et tout ce temps qu'il a mis, 30 minutes, 40 minutes, regardez le risque qu'il a pris. Et après avoir soulagé le malade, il prend le malade, il met sur sa monture, et lui marche à côté pour aller dans la ville prochaine. Arrivé là-bas, il la met dans une hôtellerie, il tient un denier. Un denier, à son temps, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Il donne à l'hôtelier. Vous dites ce monsieur-là, prends soin de lui. Je vais à mon voyage. Au retour, si tu as dépensé plus, je te le rendrai. Mais prends soin de lui. Qu'il vive. À mon retour, je veux le voir. Vive. Trois types de personnes. Et Jésus. Jésus, à son tour, qui pose la question. Et quand yo, lequel de ces trois femmes était le prochain? Je voudrais ce matin choisir comme thème. C'est-à-dire que c'est pour d'ailleurs. Pour qui suis-je un prochain? Mais Nkayi Novina. Pour qui suis-je un prochain? Mais Nkayi Novina. Et au travers de cela, je voulais qu'on démontre l'amour en pratique. Bon, c'est qu'on aime un baro. Il dit des mots. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Bon, ouais, mais c'est moyen d'amour. Mon mari ne m'aime pas. Ceci, mais comment l'amour peut être démontré? Dans ces temps derniers, comment l'amour peut être fait? Comment l'amour peut être vu? Il ne suffit pas de dire seulement. De façon verbale, je t'aime, je t'aime. Mais l'amour est un sacrifice. Et ce Samaritain a fait le sacrifice. Il a résumé l'amour en pratique. Nous allons voir les cinq points. Les cinq points qui résument l'amour en pratique. Je vais aller vite. Parce qu'on a eu le temps toute la semaine. Le vendredi à la veillée, on a eu le temps devant le Seigneur. Première des choses. Que ce Samaritain a fait. Il a donné de son temps. Il a donné son bien matériel. Le premier acte par lequel on manifeste l'amour, témoigner l'amour pratique, c'est de donner de notre temps à notre prochain. Donnons de notre temps à notre prochain. Et ce matin, je voulais parler, quand je parle d'église, je vais parler d'église en tant que corps d'église. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de prophètes. Mais le Seigneur interpelle son église ce matin. Que ce que Dieu veut, c'est de considérer notre prochain. D'accepter d'être le prochain.
prochain de quelqu'un. Nous serons en donnant notre temps. Non, en lui donnant notre temps de façon équitable, de façon juste, Dieu ne veut pas que l'amour soit résumé avec intérêt. Je fréquente le président de la jeunesse parce que j'ai intérêt avec le président de la jeunesse. En le fréquentant, j'attends quelque chose de lui. Non, mais nous devons dire que le président de la jeunesse est mon frère. Je dois aller lui donner de mon temps. C'est difficile. Les grandes églises, généralement, c'est un problème. On ne prend pas du temps pour les uns les autres. Et on est au milieu de nous des indigents. On est au milieu de nous des nécessiteux. On est au milieu de nous des gens qui n'ont pas le même niveau de foi que nous. Il y a un fait qui est arrivé dans une église. Il y a une sœur qui était dans une église. Elle était démunie. Elle était démunie. Et quand elle vient, elle s'assoit, elle loue le Seigneur, elle fait ce qu'elle a fait, et puis bon, elle retourne chez elle. Un jour, elle est venue, où cette soeur est tombée malade. Elle a fait 2 semaines de maladie. Elle était couchée, clouée dans son lit. Personne ne s'est souvenu que la soeur. On la voit plus, ça fait 2 semaines. Mais frères, nous et au bout de 2 semaines, c'est blague, mais les cousins m'ont pas. Au bout de 2 semaines, c'est blague, la sœur est morte dans son lit. Non, elle est décédée dans son lit. Écoute, Santoji. Une nuit. Jamais. Et elle a fait 5 jours dans la chambre. Blaza, au moment où on se rendait compte, tu elle était en état de décomposition. Écoute, vas-y. Un membre d'une église qui décède dans de telles conditions, beaucoup pour moi, qui se décompose comme un animal, sans qu'on se souvienne, ça fait 2 semaines, et on ne voit pas la sœur au milieu de nous. Frère, donne-nous de notre temps. Prêtons de notre temps aux autres. Mettons-nous au service des autres. Des fois, le risque à prendre. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce qui est essentiel. L'amour pratique, c'est ça, frère. L'amour pratique, c'est ça. Comme nous, les pasteurs, on s'associe de collaborateurs. Il faut arriver à un certain niveau de travail. Cela n'est pas facile pour le pasteur. Alors on s'associe des gens pour aider dans la gestion des hommes. Et quel est le responsable ou les responsables ne joue pas le rôle. C'est un problème. Donnons de notre temps. L'équipe dirigeante doit être capable d'identifier ses membres. Mais les problèmes de ses membres. Moi, je connais tous mes membres. Je connais tous mes étudiants. Je connais les étudiants. Je connais celles qui ne sont pas dans la ville avec leurs parents. Mais tout, mais dans quelles conditions dorment. Mais je sais ce qu'elles mangent. Mais je me suis rendu compte. Mais amour. Souvent, vous savez, nous les hommes, on peut avoir un pantalon, avoir 2 t-shirts. Mado, ah oui. Le reste, excusez-moi, on s'en fout. Et pour les hommes, mais camion. Mais les filles, elles demandent beaucoup d'entretien. Et le bien, nous, on peut se laver sans pommade, sans mettre la pommade. Même si la peau devient blanche, tout est ouéo. C'est pas notre problème. Mais c'est pas pareil pour les filles. Tu étais dans une église, il y avait une fille. Mais pour le minimum, on prend soin de son corps, elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas. Mais c'est au contact. Dans la visite, je me suis rendu compte dans quelles conditions elle vit. Elle n'avait même pas un matelas pour se coucher. Elle avait droit à un repas par jour. Quel repas? Tandis que dans l'église, d'autres mangeaient. Le reste, on mettait à la poubelle. Et à notre Saint, celui qu'on appelle notre Saint, Christ, dormait le ventre vide. Et notamment, mais
Mais tant qu'on ne donne pas de notre temps, nous ne formons pas un seul corps, Le Samaritain est descendu. Il s'est agenouillé. Il s'est rapproché du moulant. Il a lavé ses plaies avec lui. Il a bandé ses plaies. Dieu veut que le peuple de Dieu bande les plaies. Au lieu de nous couper, au lieu de nous tirer dessus, au lieu de nous fissurer, permettre à l'ennemi de rentrer au milieu de nous. Quel que soit le risque à prendre, je le dis, c'est les uns les autres. Souvent, quand on prêche comme ça, on est assis, et puis dans son cœur, on se dit, parce qu'il faut prêcher. C'est pour le frère là. Prêche, il attend. Non, il faut dire, moi-même, Dieu me parle. Est-ce que moi-même, je suis un prochain pour mon frère? Je disais la semaine que faisons attention pour ne pas que nos églises deviennent des monuments. Vous avez un joli temple. J'étais émerveillé et quand j'ai rien dit, mais ça c'est une architecture extraordinaire. Et ça, ça honore Dieu. Mais si on ne permet pas l'Esprit de Dieu de se manifester, de se maintenir dans une vie, la vie, la communion, l'amour, pas vécu, ça va devenir un monument qui va devenir un bâtiment qui va devenir un monument. Là où l'Esprit de Dieu est, les cœurs rentrent, blessés, meurtris, mais ils ressortent avec la vie de Dieu. On a trop de problèmes maintenant dans nos églises. Je vais te dire là, les palabres inutiles. Et un point infini. À le point fini. Ils sont pas allés comme ça. Les chrétiens qu'on ne sait comment qualifier. Ils sont dans les lettres de quoi il y a. La semaine, je disais qu'un chrétien, c'est pas même nous. Il est fier de dire, moi, mon problème, mon palabre finit pas. Toujours, il a un palabre. Toujours, on demande pardon. Et jamais ça ne finit. J'ai dit, c'est lui là. C'est un sorcier. Ah, c'est toi. Dans la présence de Dieu, toi, ton cœur là, ça change pas. Et puis tu es fier. Moi, mon affaire là. Quand tu as ça avec moi, accroche ton pagne. Tu es sorcier. C'est toi, lui. Jésus lui-même, à la croix, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Oh, nous sommes l'image de Dieu. Et donc, il a jeté son image à nous. Il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu en toi, la rancœur n'a plus de place dans ton cœur. C'est la vie de Dieu qui a la place. C'est le pardon qui a la place. Si mon frère m'a fait du mal, comment j'ai réagi le chrétien? Je me dis, ce que mon frère a fait, c'est pas normal. Ça ne doit pas faire partie de sa vie. Première des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu comme problème? Pourquoi aujourd'hui il me parle comme ça? Je me soucie déjà dans quel état il s'est trouvé pour me parler. Mais je ne viens pas pour dire. C'est pour ça que quand il est arrivé, il m'a regardé comme ça. D'habitude, on s'assoit ensemble. Mais depuis un moment, il s'est retiré. Ah, je comprends, je vois. Motilo. Ok. Comme il veut me tuer, je prendrai mes dispositions. D'autres même vont jusqu'à dire à leurs enfants, faites attention à celui-là. Ça là. C'est pas la sorcellerie, ça, dans l'église. Maintenant, ceux qui sont fatigués, les païens qui sont partis partout, je vais aller à l'église. Le problème est résolu. Ils arrivent et puis ils voient ça. On a été quoi pour lui? Et une pierre d'argent. Et ce dernier, s'il sort de cette église, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, être païen,
païen est mieux. Et alors, il a dit être païen là, c'est mieux maintenant. Et alors, qui se bat dans les églises là, il veut rester païen. Et alors, il a c'est un constat qui est sévère. Nous menons on a du travail. Mais là, ça. Regardez au milieu de vous. Les pas sont pas pleins. Regardez à la hauteur. Mais regardez autour de nous. Il y a des voisins qui sont pleins autour de nous. Il y a des gens qui sont dans la rue. On a du travail. Mais là, ça. On a du travail. C'est pour nous aussi. Laissons toutes ces choses-là. Dans l'ordre de notre temps. Je ne suis pas en train de parler. Ces choses-là pour vous faire du mal. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous vivons, nous allons faire de nos enfants des calmas. Hitler. Parce que ce que nous sommes à l'église est différent de ce que nous vivons de l'autre côté. Nos enfants nous regardent vivre. Ce qui sort de nos bouches à la maison, ce n'est que des calomnies. Toujours dit ceci. Oh, le pasteur. J'ai toujours dit maintenant. Être un pasteur, c'est un métier ingrat. C'est un métier ingrat d'être pasteur. Quand on est moulant, nous, on sait ce que nous sommes. Là, on est le bon pasteur. Mais quand on a prié que Dieu t'a béni là, c'est là on veut monter sur la tête du pasteur. Et c'est là qu'on dit qu'il n'a pas le feu. Il n'a pas la puissance. Or, quand les autres prient, ça tombe. Et lui, depuis, il est là. Il n'a jamais fait chaîne de prière. Laissons tout ça là. Soutenons-nous les uns les autres. Le pasteur aussi, là, il est humain. En semaine, je disais que souvent, nous, les pasteurs, on commence à avoir des cheveux blancs. C'est pas parce qu'on a qu'un 60 ans. Notre petite tête là, à force de réfléchir, ça chauffe la nuit. C'est ça qui nous chauffe les cheveux. Pendant que vous ronflez, on est couché, on a cité le roi de l'âge. Tel frère a un comportement difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le perdre. Comment il faut parler? Il ne faut pas qu'il soit choqué. On a le droit de réfléchir. On a le droit de l'église a assez de problèmes. Nos problèmes nous dépassent. Vous savez un arbre. Quand les feuillages deviennent nombreux et que la racine n'est pas profonde, le poids fait que l'arbre a un coup de vent, l'arbre tombe. Dans ce camouflage où nous sommes, dans le livre de la Genèse, il a posé une question qui convient de poser ça à l'église. Au chapitre 3, quand Adam et Ève ont mangé l'arbre, le Seigneur le soir venait se promener. Il a dit, Adam, où es-tu? Aujourd'hui, Dieu peut poser cette question à l'église. Que ce soit des pasteurs, où êtes-vous? Avez-vous gardé la vision? Maintenez-vous le peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes berger? Mercenaires. Aujourd'hui, il y a plein de pasteurs qui sont mercenaires. C'est leur vente qui les intéresse. C'est leur avenir qu'il faut préparer. C'est les maisons qu'il faut construire. C'est pour nous rouler dans des limousines. C'est pour acheter des chaussures qui coûtent 80 000 francs ou bien 250 000. Devant la télévision, et puis il y a un qui se disait pasteur. Bon, il est venu. Télévision, il est un homme de Dieu. Il ne doit pas souffrir. Il doit respecter Dieu. Cette veste, ça coûte autant. La chaussure, je l'ai achetée à 400 000 francs. Faut pas alors. Vous croyez quoi, Nabil? Voici un mercenaire. Mais bon, on te donne une occasion.
occasion précieuse. Il y a la télévision nationale. Mais prêche Jésus. Il vient prêcher des souliers de Casablanca. Dieu, il s'en fout de ça. Même si tu l'achetais 1 million. Voilà des hommes de Dieu. Ils martyrisent le peuple. Et qui prennent Dieu comme couverture. Et dans leur église, tout est permis. Peu importe ce que tu fais. Tu ne connais même pas où tu habites. Dieu dit, Paolo, rapprochons-nous les uns des autres. Il y avait une année. On était le 1er janvier, on fêtait. Et nous, le 31 décembre, après la veille de minuit, les jeunes, nous sommes restés à l'église. Parce que la jeunesse, on a un programme de minuit à 6h du matin pour ne pas permettre aux jeunes d'aller dans les boîtes de nuit. Et à 6h, quand on a fini, on partait ensemble. Et puis, on allait chez une soeur, on a discuté jusqu'à 11h, chacun devait rentrer chez lui. Et il y avait un frère qui habitait en route. Il lui dit bonjour. Et il était couché. Alors on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit un mot qui nous a touché. Il a dit, bien aimé frère, je n'ai même pas un franc dans ma poche. Et j'ai faim. 1er janvier. Où partout il y a la nourriture. Mais personne ne s'est souvenu que, attention, au milieu de nous, c'est le jour de la fête. Il y a certains qui sont seuls, qui ne travaillent pas. Il y a des étudiants qui ne sont pas chez leurs parents. Premier janvier. Il était obligé de gêner parce qu'il n'avait rien à manger. On fait des problèmes, des palabres, parce qu'on ne sait pas ce que les uns et les autres vivent. On a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui arrivent à l'église, et ces personnes n'ont pas connu leur papa. Si vous prenez les femmes, une femme qui n'a pas, dans son enfance, qui n'a pas connu son père, elle vit, elle grandit dans un climat qui va influencer son caractère. Parce qu'en grandissant, elle se rend compte que les autres enfants ont leur papa. Elle va poser la question à sa maman, où est mon père? Certainement que sa maman va dire, quand j'étais en grossesse, elle est partie. Elle n'a pas reconnu la grossesse. Cette fille là, on va grandir avec une blessure. Lorsqu'elle va grandir, vous verrez que elle sera très agressive avec tous les hommes. Tous les hommes. Même quand elle se marie, parce qu'elle voit l'image de son père qui est l'image de tous les hommes. Mais quand on n'approche pas les gens, on ne peut pas savoir un passé. Certainement qui est en train de l'influencer. Comme ça. Pour comprendre, pour mieux l'aider. Il a besoin d'une guérison intérieure. Mais on fait un faux procès. Et on regarde vite les gens. Vite les gens. Pourquoi il agit comme ça? C'est que certainement il y a un problème. C'est qu'il y a une vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a repéré le problème, on peut trouver le remède qui fait. Mais Dieu a béni chacun d'entre nous. On est tous intelligents. Il y a le discernement. L'esprit de Dieu. Pourquoi nous n'étions pas capables de discerner? Quand on vient à l'église, même en regardant le visage de chacun, on doit savoir que ce frère-là, il doit avoir un problème. Il n'a pas dormi. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Fille à Gabriel. C'est la paix de Dieu à son peuple. Évitons ce qui est arrivé à Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire cela. Minaha.
Pour moi, frère, verset 1, nous y avons, ce n'est pas comme bien. À des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Car vous ne pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore chanel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes, n'êtes-vous pas chanel? Mais à quoi quand le dit, moi je suis de Paul, à un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos? Mais quand il y a Apollos, allons verset 6. J'ai planté Apollos à Rosé. Il y a un autre. En sorte que ce n'est ni celui qui est quelque chose, ni celui qui arrose quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Car nous sommes tous ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Voilà ce que Paul nous dit. Et ça, l'église de Dieu doit veiller pour ne pas que 1 Corinthiens 3 s'installe au milieu du peuple. L'amour pratique descend de son piédestal et qui donne de son pain. C'est ce que le Samaritain accomplit. Deuxième chose, il donna de son énergie et de sa force. Puisque l'autre était faible, l'autre était, il n'avait plus de force. Lui, il a prêté son énergie, a donné de sa force pour aider l'autre à se relever. L'amour pratique, donner de notre énergie. Ton niveau spirituel peut être pas ne pas le niveau spirituel de c'est bien fait pour moi. Ton malin qui faisait là. Tu t'es caché pour faire ça. Non, le Dieu il est puissant dans les choses. Il a dévoilé. Ah voilà, il est comme maintenant il marche. Son bruit est fini. Son bruit, non, c'est pas comme ça. C'est notre frère. Avez-vous vu une armée qui combat ses propres soldats? Mais moi, à côté, l'église de maintenant, certaines églises de maintenant, tu le propre soldat. Il en haut, ce qui est l'histoire, donne-nous de notre énergie. Il n'a pas mis temps. Je suis arrivé à Abidjan récemment. Et j'ai dit au Seigneur, je vais utiliser mon temps utilement. Et je crois ce soir. Et puis il y avait les prostituées. Là-bas, il y a des quartiers où il y a les prostituées. De luxe. Elles sont dans des boîtes de nuit climatisées. Et non. Et ça met. Alors quand je parlais, j'ai vu deux jeunes filles. De très belles créatures. Mais leur habillement, elles étaient pratiquement nues. Nous sommes meilleurs. Alors j'étais touché dans mon esprit, mais avec une telle image, mais pourquoi personne ne réagit? Bon, je suis allé à la maison. Et toute la nuit, j'ai réfléchi à ces filles-là. Et du coup, je me suis levé. J'ai dit, je vais prier. Mais je ne pouvais pas prier, mais l'âme coulait de mes yeux. Mais aussi, je passe le voyage. Dieu dit, Paolo, ce que tu as vu, maman. C'est ce que je te confie. Pour les 5 mois que tu vas faire Abidjan. Mais ça n'a pas été facile pour moi.
Vous savez, les chrétiens de maintenant, s'il est en train de passer, il voit le missionnaire arrêté avec la prostituée. Il ne va même pas savoir si c'est ma petite soeur. Il ne va même pas me dire bonjour. Il va aller là-bas. Il dit votre missionnaire. C'est un faux type. Il est avec les prostituées. Donc je craignais ça. Seigneur, Dieu m'a dit va. Alors il y a un pasteur qui est dans le quartier. Je suis allé partager mon fardeau. Et il a dit, pasteur, nous on te soutient. Oui. J'ai dit, pasteur, donne-moi au moins quelques personnes. Je veux des hommes qui n'ont pas de problème avec le sexe. Qui ont une vie de piété. Et qui ont l'amour de l'évangile. On a sélectionné 12 frères et sœurs. Et je les ai formés. Au bout de quelques temps, nous devons aller sur le terrain. La première sortie, je leur ai dit, faites attention. Ces filles que vous voyez là, elles sont comme des lions blessés. Le premier contact, ça n'a pas été du tout chaleureux. Les filles ont été agressives. Toute l'équipe est revenue. La deuxième sortie, je ne suis pas allé avec eux. Je leur ai dit allez-y. Le soir quand ils vont aller, toute l'équipe a démissionné. Les gens disent mais interdit pasteur. C'est pas grave. Dieu même voit que on a voulu les sauver. Mais elle ne veut pas. Au ciel, on n'aura pas de condamnation, on ne va rien dire. C'est bon comme ça, quand ils ont. La troisième fois, je suis parti avec eux. Et il y avait une équipe de 5 filles. Et nous sommes approchés. Je leur ai dit bonjour. Et il m'a dit, vous voulez un service? J'ai dit oui, je vais un service. Elle dit, ah bon? La passe, ça fait 10 000 francs. La passe, ça fait 10 000 francs. J'ai dit, je veux un service au-delà de ça. Je suis un pasteur. Je vous vois tout le temps ici. Dieu m'a dit de venir prier pour vous. Et je veux vous dire que moi, je vous transmets l'amour de Dieu. Même si quelqu'un ne vous aime pas, même si vous pensez qu'on ne vous aime pas, mais Dieu m'a dit de vous dire, même dans votre état vous êtes, je suis fier de vous et vous aime. J'ai dit, je ne vous condamne pas. Vous êtes cette victime de la société. Mais je vous aime. Et j'ai commencé à parler avec elle. Il y a une qui m'a dit, vous êtes le pasteur d'Abidjan là. Je lui ai dit, je viens du Sénégal. Je comprends. Sur l'Abidjan ici là, on nous dit que nous on est diable. Et quand je me suis rapproché, on s'est posé, ils ont ouvert, on a prêché l'évangile. On a pris le contact. J'appelais tous les contacts. Je ne faisais pas plus d'une minute avec chacune. Juste bonjour. Est-ce que tu as bien dormi? Et je m'intéressais à leur travail. Je respectais leur travail de prostituée. J'ai demandé la nuit là, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça marchait? Ok, que Dieu te bénisse. Et je l'approche. Elles se sont dit, mais voici quelqu'un. Prostituée. Il demande, mais comment j'ai travaillé la nuit. Maintenant, la prochaine étape, le contact était bien tissé. Elle m'appelait souvent pour donner de leur sujet, leur vie personnelle. J'ai dit, il faut passer à l'autre étape. Comment les prendre où elles sont pour les amener à l'église. Alors, nous avons dit, bon, on va organiser une soirée, un dîner. Et on veut qu'on se retrouve. Il y avait un jeune homme que j'avais rencontré. Quand je l'ai rencontré, je l'ai salué, bonsoir madame. Oh, c'était un garçon. Ce jour-là, quand je l'ai invité à venir à l'église, il m'a dit,
Bon, je ne sais pas s'il faut dire et elle. Il m'a dit il faut que j'aille demander la permission à mon mari. C'est un homosexuel. Dis à ton mari, il est le bienvenu. Et ils se sont tous rassemblés. Et on a organisé la soirée. On a fait une projection de film. J'ai le CD sur mon ordinateur, le film sur mon ordinateur, si vous voulez, je peux vous passer. Le film, c'est le nouvel esclavage et le trafic humain. Quand les filles vont sur Internet, pour chercher des maris blancs qu'on ne connaît pas, ils vont t'amener le billet d'avion, aller là-bas, on te lance dans la prostitution. Quand ils ont regardé ce film, ils ont prêché la parole de Dieu. Bien-aimés frères, elles se sont tous mises à genoux, en pleurs, et elles ont donné leur vie à Jésus. On a donné de notre énergie, on a donné de notre temps, on a prêté ce temps, on s'est prêté à elles. Aujourd'hui, 10 parmi ces filles sont passées par le groupe de délivrance. Faire leur délivrance. Et jusqu'à ce que je quitte Abidjan, tous les dimanches, elles venaient à l'église. Je leur ai dit, s'il vous plaît, elles vont venir avec les habits qu'elles ont. C'est tout ce qu'elles ont. Et leur milieu là, c'est porter, excusez-moi, des petits calissons. Pardonnez. Je sais que vous êtes spirituel. Mais si dimanche, elles viennent avec ça là, mais ne regardez pas avec un nez de cuisson. Laissez-les. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Ne les jugez pas. Même dans nos églises, est-ce qu'il n'y a pas de prostituées? Quand les filles sont là, elles ne sont pas mariées. Elles sortent avec les noms bénis, je ne connais pas. Elles sont avec Y, pour l'argent. Elles sont avec B, pour l'argent. Quand on distance ceci, pour l'argent, ce n'est pas la prostitution. Laissez les filles là tranquilles. Laissez Dieu faire son travail. Le jour où elles vont se rendre compte que nous sommes nus, c'est que la raison est revenue à nous. Le déclic, le changement, Dieu est en haut toujours. Gloire à Dieu. C'est ça l'amour. Oui. Et c'est ces choses-là que Dieu veut que l'église de Morija se réparer. Il ne faudra pas que ça rate au milieu de nous. Parce que notre mission est noble. Nous avons du travail. Il faut qu'on soit unis pour bénir le nom de Dieu dans la vie aussi. Encore, troisième chose qui a manifesté, qui a traduit, qui résume l'amour en pratique. La Bible dit que quand le Samaritain est descendu, il a pris le blessé, il a mis sur sa monture, il a donné de son honneur. Sous son ancien temps, la monture était une plaque de dignitaire. Mais il n'a pas tenu compte. Et quoi? Lui qui est peut-être un riche commerçant. Et il y a blessé avec tout ses le sang sur lui. Il allait salir la monture. Et il a mis le blessé là-bas. Et lui, il était à pied. Voyez, il marchait avec le malade. Quelle belle leçon pour l'église. Descendons de nos positions. Sociales. Là où nous sommes. Notre environnement. Descendons de notre piédestal. Mais au peuple, au niveau du pauvre. Au mieux comprendre le pauvre. Au mieux ressentir le pauvre. La Bible dit le Samaritain a eu de la compassion. On est de la pitié, c'est pas bon. Eh oui. Mais ayons de la compassion. Oui. La pitié, on te dit, oh alors, président, président, tu es maigre, oh, du courage, oh. Dieu va te bénir. Bah, on a quoi, ça s'arrête là. Et le faux le président, président, tu es malade. Ah, oh, ça fait mal. Président, attends, mais quand c'est comme ça, et le voilà, faut toucher. On se met à sa place. Et on ressent ce qu'il ressent. Mettons-nous à la place des uns des autres. Vivons ce qu'il vit. C'est comme elle est au milieu. Mieux les aider. Donnons de notre honneur. Les mois.
Moi, lui, il ne faut pas qu'il y ait des classes. Et il faut pas qu'il y ait des classes. Les plus âgés doivent servir les petits. Les petits doivent servir les grands. Mais d'après le son racine. Quand on sait donner, honorer quelqu'un, nous ayons pu la monnaie. Et non, c'est comme dans un couple. Et tu dis, oui, si chaque matin, nous ça s'allait. Mais Marie, non, tu es marié. Oui. Si chaque matin, et ça s'allait. Je ne sais pas si ça se fait. Mais ceux qui ne le savent pas, mais maintenant, c'est. Une méthode miracle. J'ai toujours dit, sur la terre, il n'y a pas de jolie femme, il n'y a pas de vilaine femme. Toutes les femmes sont jolies. Tous les matins, les maris, levez-vous. Et vous regardez votre femme. Chérie, vous avez une biche. Non, tu es la plus belle femme. Les femmes, ça là. Elles adorent ça. Tu vas dire le matin, ma chérie. Ça, ça. Très joli. Demain matin, ça, ça, ça. Elle passe. Oui, oh, le Seigneur, il est merveilleux. Il y a quelqu'un qui a pris pour moi. Bon. Elle va gagner en confiance. Elle a quand j'ai oui. Sa démarche va changer. Son mais là, ce sera des démarches d'assurance. Non, est-ce que le calme Marie m'a dit je suis jolie. Marie m'a dit je suis belle. Marie même. Devant ses camarades là, elle ne se sous-estime pas. Je suis jolie. Ça va changer son visage. Son visage va se détendre. Quand la femme aime, elle s'épanouit. Et non, il n'y a pas de milliardaire. Si tu ne sais pas aimer ta femme, elle sera la femme la plus malheureuse. Mais elle va s'habiller comme il faut maintenant son cœur. Et la seule parole, sa beauté restera emprisonnée. À moi, il tombe en décrétant, il n'y a de carreau. Les femmes, est-ce que c'est faux? Non, les loupoyages. Est-ce que c'est faux? Je te m'en maintenant, quand on sait honorer quelqu'un, il vous rend la monnaie. Et il a dit, je suis venu. Le révérend pasteur au bout. Un pasteur d'une si belle église. Il est important dans l'organisation des assemblées de Dieu. Regardez comment il s'est abaissé pour élever. C'est des sons. Hier, yeah, regardez, le pasteur s'est déplacé pour aller me visiter. Il y a eu un contre-temps. Et donc le pasteur m'a manqué à la maison. Oh, mais j'étais pas tranquille. J'ai dit à qui? Au moment où partage le pasteur, il était 23h moins 20, quelque chose comme ça. J'ai dit non, il faut qu'on aille chez lui. Il faut qu'on aille chez le pasteur. Non, je me voyais. J'ai dit, c'est pas possible. C'est le nom de Dieu. Il s'est déplacé. Il allait jusqu'à chez moi. Et puis il m'a manqué. Non, je peux pas. Il faut que je me rende là-bas. Et quand nous sommes partis, on est rentré net qui nous accueillit. J'ai dit, pasteur, toutes mes excuses, c'est sérieux. Vous voyez, la façon il m'a honoré, je l'ouvre la monnaie. Mais là, c'est nous de là, si on se rencontre partout, je vais m'abaisser. Quand le pasteur s'habille bien, nous les sommes jaloux. C'est le pasteur qui fait ça. C'est lui qui porte tous les jolis habits. Et la Bible dit, le plus grand là. Mais c'est celui qui sert. Quand on va dans les cérémonies, bon, oui. C'est qu'ils sont assis dans de grandes places. Et là, frère, non, oui. Il faut laisser ça là. Quand le temps vient, oui, nous soir, honorer un homme de Dieu, bon, oui, oui, c'est ce que je vais attendre. Amen. Oui, nous honorez-les. S'ils ont des faiblesses, oui, priez pour les uns et les autres. Oui, nous aider. Et que ce mauvais climat qui pèse sur l'église, bon, soit ce climat favorise au diable. La semaine, je disais quoi? C'est vraiment terminé. Tellement on a un climat de suspicion dans les églises. Nous faisons mes soucis sous quoi la maison. Quelqu'un a un problème. Il ne sait plus envers qui il fallait se confier. Mais nous, les pasteurs, souvent, on a besoin de confidents. Alors, on a besoin de chercher en qui il faut se confier. Mais souvent, quand on a beaucoup de problèmes, on veut parler. On va nous parler, mais avec qui il faut. Même dans le Dora.
Les frères, il y a d'autres qui vivent dans le péché. Il y a des mariés mais qui trompent leurs femmes. Le péché, c'est d'adultère. Tu tombes une fois dedans, pour t'en sortir, c'est pas facile. Il y a des gens dans les églises qui luttent contre ça. C'est ce que je fais là. C'est pas bon. Mais comment faire? Il a prié, il a gêné, rien ne va. Il a besoin de parler. Mais avec qui? Et on dit qu'il n'y a pas l'amour. Soyons nous-mêmes serviteurs de l'amour. Servons les autres. Et la gloire de Dieu se manifestera. L'amour de ce bon samaritain, c'est l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Nous étions des moribondes. Nous étions au bord de la route blessés par Satan. Nous étions à demi-morts. Aucune religion n'a pu nous aider. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a quitté la gloire de Dieu. Il a laissé sa position. Il est descendu au milieu de nous. Il s'est même humilié en prenant la forme d'un humain. Il s'est humilié pour venir parmi nous. Il est né dans une table, un lieu signifiant au milieu des animaux. Que toi et moi, nous soyons guéris de nos plaies. Dieu dit, va et fais de même. La semaine, on a dit que chaque membre de Moïja dise que maintenant, Seigneur, je vais être un élément de bénédiction. Bénédiction pour mon frère. Bénédiction pour ma soeur. Bénédiction pour les responsables. Bénédiction pour le pasteur. Bénédiction pour le Bénin. Le Bénin a besoin des hommes bénis pour que le pays soit béni. L'amour commence toi-même. Manifester l'amour vers ton frère sans rien attendre de retour. Chacun fera de même et que le nom de Dieu soit béni. Nous voulons bâtir sur le roc. Dépouillons-nous de ces choses. Révoquons-nous de l'amour, frère. L'amour qui ne se réjouit pas du mal. L'amour qui ne se réjouit pas de la vie. De la rue qui ne se nourrit pas de la disette de l'autre. Ne faisons pas comme dans les églises. Quand il y a mariage là, si tu n'es pas membre d'un comité, personne ne vient à ton mariage. Ce n'est que les deux familles qui vont venir, le pasteur et les responsables. Ne faisons pas ça. Soyons un. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, Dieu a dit, petits enfants, n'aimons pas en parole. N'aimons pas avec la langue. En action et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que ces 5 points qui résument l'amour en pratique soient scellés dans notre cœur. Et que cela soit une bénédiction pour notre frère. Amen. Nous allons nous lever. Il n'y a rien à dire, nous allons nous lever. Tu vas prier pour toi. Quelle considération Dieu a pour toi selon la parole que tu viens d'écouter? Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu ce matin? Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu nous a parlé. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette parole? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour moi? Que dis-tu? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur plein du Saint-Esprit te dit ce matin? Médite la parole de Dieu. Je prie, Seigneur.
guérisse ce matin. Qu'il guérisse son église. La victoire et de la vérité.
ou bien Marie de Magdala. Abi Marie Magdala. Je vous connais. Et j'insistais, Jésus, nous allons encourager l'homme de Dieu. Minato no mauso ato. Il nous a apporté beaucoup de choses. Nous allons apporter des petites souffrances. Mina renonina. Des souffrances. Nonina. Pour dire merci. Viens dans la joie, donner à l'homme de Dieu. Si tu donnes, il faut savoir que c'est à Dieu que tu donnes. Quand il va prendre de l'eau glacée, avec ce don, il va se souvenir. Thank you.
soir à la gloire de Jésus-Christ pour son cri de victoire. Pour la vie de cet homme que tu as fait déplacer de loin, Seigneur, sois béni pour sa vie, sois béni pour l'onction qui est dans sa vie, sois béni pour les paroles que nous avons entendues, sois béni pour l'œuvre de délivrance, Seigneur, que tu l'as utilisé, tu es en train de faire au travers des paroles de feu, de puissance que tu as libéré sur ton peuple, Seigneur, sois béni pour la restauration de nos vies, sois béni pour la bénédiction de nos vies, sois béni pour les forteresses qui sont renversées, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni pour les fusions de ton esprit, Seigneur, qui a commencé une œuvre de restauration dans la vie de cette assemblée, dans la vie de mon frère, dans la vie de mon soeur. Nous sommes reconnaissants, nous voulons, Seigneur, que tu renouvelles ton onction sur lui, que ton bras redoutable tienne, Seigneur, que tu le conduises de victoire en victoire, que tu bénisses son ministère, Seigneur, par tout son cœur est étendu, qu'il soit gagné par la bénédiction de Dieu, soit élevé, soit glorifié, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur, visite-le, merci de nous entendre, au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, tu souffres de n'importe quel mal, tu peux venir devant. Et on va te demander la grâce de Dieu sur ta vie. Tu es malade. Tu es malade. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et nous voulons proclamer que nous croyons à la guérison divine. Nous croyons que le sang de Jésus guérit. Nous croyons que Jésus a le pouvoir sur le mal. Nous croyons que Jésus a le pouvoir pour briser la puissance des ténèbres. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous as conféré. Je prie ce matin, notre Dieu. Je demande ta puissance. Je demande ton intervention. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant, nous prenons autorité et nous commandons à l'Esprit, quelle que soit la présence, la durée de sa présence. Ce matin, nous mettons fin au nom de Jésus. Que les maladies quittent le corps. Que les maladies quittent le corps. Maladie sortez de corps, maladie sortez de corps, les couvertures, les maladies curables, que le pouvoir de Dieu, vous le voulez chassons maintenant, que le corps soit libre, que le corps soit libéré, que le corps soit libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout pouvoir maléfique qui tient captif ses corps, au nom de Jésus, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus, Saint-Esprit à l'instant, agis maintenant, descends maintenant, par le pouvoir, la puissance de Dieu, maladie, quittez ce corps, esprit mauvais, quittez ce corps, marie de lui, quittez ce corps, nous proclamons la guérison au nom de Jésus, nous proclamons la liberté au nom de Jésus, désormais, l'esprit captif, c'est la maladie, couleur, parce que Christ est devenu maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descend, assurez le corps, assurez le corps, que tu suis le nerf, le muscle, par la puissance.
célébrons ta grandeur. Nous célébrons ton pouvoir. Nous célébrons ta puissance. Et nous confessons que ma terre, qu'à jamais, Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Les esprits de maladie sont vaincus. Gloire à toi. Parce que ton pouvoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous communiques la joie. Tu nous communiques la paix. Ce que la maladie a laissé dans le corps. Ces tests ont été diminués physiquement par la maladie. Mais nous réconcilions leur santé au nom de Jésus. Nous réconcilions leur état physique par la puissance de Jésus. 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 Recevez la puissance. Recevez l'onction. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir sur la maladie. Recevez le pouvoir sur le mal. Recevez le pouvoir pour faire le royaume de ténèbres. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Acclamons Dieu pour votre vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur qu'il a utilisé pour nous ce matin. Je vais expliquer un peu la chanson. J'ai chanté à Mina. La chanson dit: nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et vos histoires doivent changer. Le Seigneur, il est là toujours pour changer nos histoires. Si le temps est passé, faut pas se décourager, il va faire pour toi. Alléluia. Yeah.
Ok, merci. Je suis le pasteur Billy Nzebo et je suis ivoirien, je suis missionnaire actuellement au Sénégal, précisément dans la ville de Thiès où je dirige une assemblée. Et je suis né dans une famille pas chrétienne, animiste, et puis j'ai été le premier à accepter le Seigneur et par la suite le Seigneur a visité tous les membres de ma famille. La majorité des membres d'une quarantaine d'individus sont aujourd'hui donnés au Seigneur. Et juste après ma conversion, un an après, j'ai reçu l'appel pour servir Dieu en plein temps. Et après cet appel où je luttais, je me suis retrouvé au Togo où j'ai fait Jeunesse à Mission. Et c'est à partir de là que l'appel missionnaire s'est déclenché. Et je me suis mis en prière jusqu'à au moins cinq années. Et c'est à la suite de ça que je suis rentré pour ma formation. Et je suis sorti présentement, je suis missionnaire au Sénégal, je suis marié. Et ma femme s'appelle Lucienne Billet. Et nous avions trois enfants où nous servons le Seigneur vraiment en toute inquiétude et sous la protection de Dieu. La vie des missionnaires en Afrique, je ne saurais parce que je ne connais pas toutes les réalités des Africains. Chaque site en Afrique a ses réalités, chaque recoin a ses réalités spirituelles. Et donc, mais je parlerai plus de la réalité au Sénégal où nous vivons. Le Sénégal étant un pays à 95% musulman, le pays officiellement, heureusement, est laïque, la constitution le déclare, mais dans les faits, c'est un pays islamique. Et donc, nous sommes un petit nombre, les missionnaires, et par rapport aux besoins qui s'y présentent.
Et la vie n'est pas facile parce que il y a un syncrétisme très développé et il y a une influence réelle de l'islam, même sur la réalité, le vécu des chrétiens. Et donc la pression aussi est là, les menaces sont là, surtout au milieu du peuple peul, où quand un de leurs membres est converti, cela est équipé soit aux menaces de mort. Et donc nous faisons face à ces choses. Deuxième réalité, ce sont les missionnaires africains de façon générale, parce qu'en Afrique, nous ne pouvons que développer un message holistique. Holistique en ce sens que vous arrivez quelque part, l'évangile annoncé, mais nous devons réagir face aux besoins du peuple. Si le peuple est malade, s'il manque d'un dispensaire, et c'est là que le problème se présente, parce que nous n'avons pas les moyens, la logistique qu'il faut pour pouvoir relever vraiment ce défi. Mais pas plus que ça, mais au moins le courage, la détermination des missionnaires africains est aussi un des éléments très forts, malgré le peu de moyens, mais le Seigneur se glorifie, le Seigneur agit, et des âmes vraiment sont sauvées pour la gloire de Dieu. Quand je venais au Bénin, c'est la première fois que je viens au Bénin, et je n'avais vraiment pas une idée un peu claire la façon dont l'Esprit de Dieu allait orienter les choses. J'avais été invité par la jeunesse à venir entretenir la jeunesse pour galvaniser la jeunesse qui avait besoin d'un coup de pouce afin de pouvoir pour voir une jeunesse qui se lève, une jeunesse qui prend ses responsabilités, une jeunesse qui se fait voir, qui se fait sentir. C'était en fait l'objectif, mais quand nous sommes arrivés, nous sommes rendus compte qu'en fait le besoin c'était un besoin général, et nous sommes prêtés au Seigneur, laisser permettre au Seigneur vraiment d'utiliser notre canal. Et l'objectif qui était visé, c'était de pomper la foi des uns des autres, c'est-à-dire de galvaniser la foi des uns des autres, de réagadir chacun pour qu'il puisse comprendre que si nous avions été sauvés, chacun doit se mettre au service, chacun doit jouer sa part de partition. Nous avons développé un thème qui est la plénitude du Saint-Esprit, gage d'une vie victorieuse et d'un service efficace. Nous avons relevé plusieurs aspects. D'abord, la plénitude s'explique en deux options. D'abord, il y a la dimension ontologique, comme je l'ai expliqué, qui fait trait au caractère, à l'intérieur de l'être humain, à sa personne, sa vie intérieure, qui passe d'abord par une régénération, par aussi une action de l'esprit qui permet vraiment d'agir, une sanctification progressive. Ensuite, lorsque cette étape a été accomplie, nous sommes convaincus de péché et le Saint-Esprit vient habiter en nous, vient élire domicile à nous. Après cette étape, il se soit la dimension fonctionnelle, qui veut dire que le service est un service efficace. Mais l'efficacité du service est relative à la qualité de vie dont le Saint-Esprit doit implanter en nous. Et donc c'est sur ce plan que nous avons mis l'aspect, parce que souvent on est sauvé, on se dit qu'on est sauvé, on ne se dit que la dimension ontologique a effet, mais la dimension ontologique ne va pas sans le fonctionnel. Et donc le « et » qui relie la vie intérieure et le service est une conjonction de coordination qui explique que la vie ne peut pas être dissociée avec le service. Et donc, il est à bannir pour dire que les chrétiens qui sont oisifs dans les églises, ce n'est pas normal. Ça explique qu'il y a un problème dans le fonctionnement, que ce soit la dimension ontologique, que ce soit la dimension fonctionnelle. Alors, il fallait relever, il fallait permettre à chacun de comprendre qu'en restant sur les bancs, en n'étant pas intéressé par quoi que ce soit, en n'étant pas préoccupé par la vie de l'Église, sa croissance et la progression de l'Église, chacun doit s'impliquer et à son rôle. Ce n'est pas un rôle qui revient uniquement à l'homme de Dieu, mais chacun doit se dire que nous avons été appelés pour cela. Donc l'accent a été mis par cela. Ce qui, cela ne va pas sans relever quelques aspects dont aujourd'hui l'Église est victime. En haute, des aspects de comportement, des aspects d'humeur, des aspects de ceci. Et nous avons passé tout le temps à regarder en nous-mêmes, à relever la faute des uns des autres. Et ça amène une atmosphère qui n'est pas vivable et ça affaiblit davantage l'Église. Donc nous avons mis l'accent sur ces choses pour permettre à chacun. Deuxièmement, nous avons mis l'accent sur la valeur de chacun. La valeur de la dimension ontologique, la vie que Christ a laissée en nous est une vie de valeur, une vie de qualité. Et effectivement, cela aboutit sur un service efficace, un service dynamique qui va exploser la vie de l'Église. Donc c'est cela, je fais comprendre à chacun que nous ne sommes pas inutiles, que nous ne sommes pas vils, mais Christ a mis en nous un dépôt et chacun doit être conscient pour se lever, pour glorifier le nom de Dieu. Chacun désormais doit regarder en lui.
de quoi est-ce que je suis capable, ce que je dois donner utilement à mon église, ce que je dois servir utilement à mon frère pour que le nom de Dieu soit glorifié. Voici en quelques mots les aspects que nous avions eu à développer. Et j'ai compris, la veillée de prière a été un moment très important, un moment vraiment merveilleux où le Saint-Esprit a déversé vraiment sa puissance. Nous avons passé un moment de restauration profonde où Dieu a manifesté vraiment sa grâce. Donc j'ai compris qu'en fait, en venant ici, ce n'était pas seulement pour la jeunesse, mais c'était pour l'église de Morija que Dieu nous a fait venir et nous avons compris, nous sommes prêtés, nous avons donné l'action. Le message que je vais donner à l'église de Morija de façon particulière, d'abord je voulais les faire comprendre que nous sommes dans les derniers temps et que l'église de Morija soit une église remplie et conduite par le Saint-Esprit. Je voudrais que chaque chrétien soit un chrétien d'esprit, car l'ennemi ne se lâchera jamais de multiplier ses assauts, de changer de stratégie pour chercher à distraire au maximum l'Église. Et que chacun reste dans la présence du Seigneur, que chacun s'engage, que chacun sera utile à Dieu pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour faire taire tout ce qui est bruit, tout ce qui est mésentente, tout ce qui est commérage, qui ne fait que profiter à l'ennemi. Ça, c'est le premier message que je voulais dire. Je voulais aussi dire aux membres de cette Église qu'il ne faudra pas qu'ils pensent que c'est l'autre qui fera le travail. Il faut qu'ils se disent que c'est moi qui dois faire le travail. Ne pas dire parce que l'autre n'a pas fait, je ne ferai pas. Que chacun s'y engage, que l'Église entoure leurs pasteurs, assiste leurs pasteurs. Parce que la pression, vous savez qu'il y a une pression spirituelle dans votre pays. Et la pression est forte sur les hommes de Dieu. Alors si on ne l'entoure pas, si on ne le soutient pas, ce sera difficile à lui seul vraiment d'y venir. De façon générale, pour l'Église du Bénin, nous voulons leur dire que le défi est énorme. Nous devons leur dire que l'Église du Bénin doit être consciente. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que le monde mystique vraiment ne dort pas. Le monde mystique est en avance. Et où ils sont bien placés pour comprendre ce que je vais dire, parce qu'ici, il y a une pression spirituelle mystique. Et si l'Église se laisse distraire, l'Église n'atteindra pas l'objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra d'ailleurs pour prêcher l'Évangile pour que les Béninois soient sauvés. Ce sont vous les Béninois qui devez prendre la destinée de votre Église. C'est vous les Béninois qui devez prêcher la parole de Dieu. C'est vous les Béninois qui devez donner la qualité de vie pour encourager ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à se réfugier dans le Seigneur. Donc il faut que l'Église béninoise reste unie, que la tête de l'Église, les pasteurs soient unis, que les chrétiens soient unis. C'est dans l'unité seule que nous pouvons faire voir la vraie vie, le vrai amour que nous avons en Christ. Et cela donnera aussi envie à ceux qui ne connaissent pas de chercher le Seigneur. Je vous remercie. Guide-moi, je t'en supplie, vers ton port, ô mon sauveur. N'acceptes-tu?
personne ne sait le temps reprendre rien. Oui, en tout Seigneur, oui, en tout Seigneur.